Salut tout le monde, c'est le Tokyo25, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je fais cette vidéo ici spéciale, puisque d'abord, avant tout, avant de parler du gameplay, je vous signale que je reprends ma chaîne principale, donc de Tokyo25. Alors pourquoi vous allez me dire, t'as toujours les abonnés inactifs, ça je peux vous directement y répondre. Vous êtes aperçu donc que j'ai dit donc, que j'avais trop d'abonnés inactifs et que j'ai arrêté pour ça. En fait, c'est pas vraiment ça. J'ai beaucoup d'abonnés inactifs et ça j'en suis très très conscient. Malheureusement, ça je serais rien y faire. Quoique peut-être j'ai peut-être une solution, je la dirai par après. Et en fait, j'ai pas été honnête avec vous. J'avais oublié de le dire, donc j'ai reçu un avertissement de droit d'auteur, pas suite à ma musique, sur le XR3PMZ V2. Donc le mieux affectable d'IMPMZ, d'ailleurs que c'est big up au passage avec ma vidéo, mais ça m'étonnerait vraiment. Enfin bref, donc j'étais pas en règle au niveau de la communauté YouTube, donc ce qui fait que je n'aurais plus jamais vu passer partenaire. Donc ce que je fais, c'est que depuis hier matin, l'avertissement a été supprimé puisque j'ai supprimé ma vidéo il y a une semaine maintenant. Donc l'avertissement est supprimé, je suis nouveau en règle partout. Donc je peux de nouveau, enfin je pourrai passer partenaire lorsque j'aurai le nombre d'abonnés qui arrêtera de bugger et un nombre de vues considérable qui est environ de 500 à 600 par jour. Et avec occurrence générale, si je suis à 250, 300, 400 parfois, ça dépend des jours. Donc maintenant, je vais vite attaquer le gameplay. Je vous avais dit que je vous préparais du lourd pour la semaine spéciale, enfin la semaine des abonnés, la semaine des vacances. Et j'avais dit que le plus gros gameplay, je le mettais pas. Hein. Et là, je le mets ici. En fait, c'est une tentative quadruple Osprey. Donc je vous laisse deviner si je l'ai ou pas. Vous avez vu un petit peu la miniature vidéo. Je pense que ça donnera peut-être un indice, mais attention, c'est une tentative, je répète bien, tentative. Là, vous allez vous dire, c'est quoi ce débile, mais comme si on le savait pas, tentative, non, mais sérieux, va te cacher. Ah, je m'attends très bien à ce genre de réaction là, mais bon, c'était pour que vous compreniez, enfin, vous compreniez assez rapidement ce que je veux dire. Voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Mis à part que Black Ops 2 arrive à très très grands pas d'ici une petite semaine, je ne l'aurai pas tout de suite. Ça je peux vous garantir, je l'aurai peut-être pas du jour au lendemain, peut-être une semaine après, deux semaines, ça peut dépendre. Donc je voudrais te faire avec, hein, je ferai mon possible pour mettre des vidéos quoi. Puisque Black Ops 2 en fait, je sais pas, je suis un petit peu endetté on va dire, hein, on va dire ça comme ça, je suis un petit peu endetté. Enfin endetté, pas vraiment mais bon, c'est juste que je suis au cours de crédit, voilà, on va dire je suis au cours de crédit. L'édition ordonnée de Black Ops qui coûte 80€, je vais pas vous sortir 80€. Comme ça, dans ma poche, hein. Je voudrais bien, comme ça, là, claque, je claque les doigts, pouf, 80€ directement, allez, salut Dreamland, bonjour Dreamland. Donc Dreamland, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin de jouets, enfin, je parle ça pour la France, donc Dreamland est un magasin de jouets, c'est comme, vous allez dire, je sais pas moi, Jouet King ou n'importe quoi, voilà, un truc dans ce goût-là. Bon, là, je me fais buter comme une vieille merde, alors là, j'ai ragé comme un gros psychopathe sur Cyril, donc Draft Psychique, salut toi Cyril au passage. Pourquoi? Parce qu'il m'a allé sur Skype, il m'a même pas dit « Fais gaffe, il y a un mec à côté de toi, non. » Je vois qu'il se fait tuer, il me dit rien. Pouf, il y a un mec qui réapparaît, fini, elle est mort, c'est parti. Allez, je vois mon premier Osprey, on va faire... Je peux pas vous accélérer la séquence parce que je sais pas comment on fait. C'est un peu débile, mais bon, voilà. Et c'est un peu pour me retrouver dans mon commentary. Donc, écoutez, j'espère vraiment que vous avez la bonne humeur. Hein. Parce que j'espère que ça se passe pour vous... j'espère que ça se passe bien pour vous à l'école aussi. Hein. Enfin, on s'en fout un petit peu, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours une petite phrase en plus dans la vidéo. Bon, vous voyez que là, mon Osprey, bah, il fait un peu de la merde. Je fais un peu de la merde avec mon Osprey. Et c'est vraiment qu'à le dire. Là, je fais de la merde. je trouve pas les mecs. Ah, j'ai tué un mec. Félicitations. Deux. Non, même pas. Bah, ah, si, deux. Décidément. Ah, voilà. Là, ça commence un peu à changer. Enfin, bref. Donc, je disais pour Black Ops 2. Donc, dès que je l'ai, je ferai une vidéo dessus. Ça, c'est direct. Mais ne vous attendez pas. Enfin, ne vous attendez pas. À que ce soit le jour de la sortie, à moins d'un miracle, mais sinon ça ne sera pas le jour de la sortie. À moins j'aille chez un pote et que je commente une vidéo de là, mais bon, je me vois mal aller à l'école avec mon HDP vert et mon HDP vert et tout avec mon Triton évidemment pour commenter. Je voudrais voir un peu la tête des gens si vous voyez en classe avec un HDP vert, un Triton, un PC en dessous de mon banc. Je pense qu'il me prendrait déjà pour le plus gros geek de la planète et ensuite pour un mec qui est pas très bien dans sa tête. Ils me diront sûrement, je sais pas, tu t'es cruché dans ta chambre ou quoi, enfin bref. Je dis encore de la merde, mais c'est pas grave, j'ai toujours ça de dit, et puis un peu d'humour de temps en temps dans un commentaire, ça ne tuera jamais personne. Même si moi j'ai un humour vraiment à chier.
Ça, je ne saurais rien y faire. J'espère que mon humour à chier ne vous dérange pas. Rassurez-moi, dites-le moi s'il vous dérange. Genre, si vous voulez parfois que je dise des blagues de merde, mais vraiment que je dis des blagues de merde, des trucs limite, sort et va te pendre. Ce genre de blagues là, si vous en voulez, moi vous me le dites. Hein, j'essaierai d'en trouver une par vidéo, parfois deux, peut-être trois ou quatre, on verra. Encore une fois, je fais de la merde avec mon Predator. Vous avez vu ce, gameplay, c'est, je fais de la merde, c'est tel qu'à le dire. Il provient du mode studio, je précise, pour éviter les commentaires débiles. Il provient du mode studio, il y a deux parties. Il y aura peut-être un décalage dans mon commentaire, puisque je dois ouvrir Windows Media une deuxième fois directement à la fin de ces 8 minutes 12 de première partie. Donc je ferai mon possible pour le passage. Je débloque encore mon Reaper. Encore une fois, là je pense avoir eu de la chance. Toi je te tue bien évidemment. Et comme vous voyez le petit paquet là, il y a un petit paquet, il y a un peu de people derrière. Et qu'est-ce qu'on fait? On va bien se cacher, on va essayer de se cacher. Et finalement, parce que ça va réussir, je sais pas. Donc pour l'instant, je suis à un osprey. Je viens de fail une fois, deux fois. Là, je me sens entièrement débile, nul. Trois fois, trois fails, trois missiles, trois fails. Bah, voilà, je rattrape un petit peu. Vous inquiétez pas, je vais rattraper. Hein. Je pense que il vaudrait mieux d'ailleurs. Bon, alors maintenant, je vais parler vite de mon petit projet. Pour mes abonnés, vous savez, donc j'ai 593 ou 93, comme vous voulez, abonnés à l'heure actuelle, enfin à l'heure où je vous parle du moins, donc 19h54, et, double osprey, voici déjà deux ospreys en 6 minutes 45, c'est pas mal. Donc d'ailleurs, j'étais accompagné d'OCB Matos, salut de Matos, hein, d'ailleurs, vous allez voir que à un moment dans la vidéo, il va dire, « Bah, John, Totec, il est chaud, là !» Il est chaud le Totec. Il va faire cette petite remarque. Bon, malheureusement, vous l'entendrez pas. Puisque ce gameplay fait problème du mode studio. Et j'aurais dû l'enregistrer en live. Ce qui d'ailleurs ne m'avait pas frappé à l'esprit tout de suite. Enfin, bref, une fois de plus, mon Osprey fait de nouveau son petit massacre. Enfin, ses petites 20 secondes de massacre avant de se prendre un Stinger dans la face. Décidément, ça se demandait si je suis pas maudit. Enfin, bref, donc je disais, voilà, Osprey détruit. Et ce que je disais. J'en étais où maintenant, zut, je sais plus où j'en étais, c'est dommage. Ah oui, voilà, mon petit projet. Donc, j'ai la liste de mes 580. Je suis désolé pour les français, mais je vais le dire en français belgique. Hein. Vous savez très bien que 93, 93, c'est 93. Je me prends un javelin dans la gueule, j'ai ragé comme un porc parce que j'ai foiré ma mob en assaut, quoi, ce truc-là. Même si je pense que je vais être en très très grosse série. Donc, ensuite, donc avec cette liste d'abonnés, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec cette liste d'abonnés? Eh ben c'est très simple, je vais faire un copier-coller d'un message, donc exemple, vous recevrez sûrement du week-end un petit message dans genre « Salut, est-ce que tu te rappelles de moi, de ma chaîne YouTube, est-ce que tu regardes encore mes vidéos ?» Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à le faire, j'enverrai sûrement un message comme ça, tu sais, je ferai un bon petit copier-coller que je balancerai à tous mes abonnés. Voilà, le changement d'hôte, vite, 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 on switch, hop. Et voilà, je viens de switcher sur sur la partie de la vidéo. J'espère ne pas être dans le mauvais, enfin j'espère qu'il n'y aura pas de décalage, au passage un gros commando. Voilà, boum, encore une fois. Ah, j'ai tué un mec, oui, encore une fois. Oh bah tiens, TCT champion du 96 connecté, bah félicitations Vincent, tu auras le droit de te faire déglinguer dans ma partie, je veux vous le dire Vincent, vous allez voir. Je sais pas pourquoi, bah tiens, bah, regardez qui c'est que je viens de tuer. Donc j'en étais où maintenant? Bref, je vais arrêter des conneries. Bah ça j'ai aussi avec Redia, voilà, comme ça je fais une dédicace à un bon petit billet à tout le monde, comme ça tout le monde sera content. Zut maintenant, je reviens plus sur mon truc, ah oui, avec mes abonnés. Donc si jamais vous recevez au courant de la semaine un message dans le genre « Salut à toi, te souviens-tu de moi, regarde mes vidéos, ne vous inquiétez pas, c'est normal. » C'est peut-être qu'en faisant ce système, j'aurai peut-être 400 abonnés qui enverront ce message, je dirais « Mais tiens, de 2Q25, j'étais déjà vu sur code CF ou sur code QG il y a 3 ans, non 2 ans. » Peut-être que de là, les abonnés iront voir ma chaîne, peut-être qu'on récupérera l'activité, hein, pourquoi pas, je le souhaite vraiment en tout cas. Bon là par contre, si vous détruisez mon Reaper, ça va pas le faire, les poteaux. Trop tard. Bon, il me reste 3 kills pour mon troisième Osprey, vous allez... Et je sais pas pourquoi, je le sens très très mal. Enfin bref. Bon, plus que 2, une assistante je pense. Enfin bref, donc je vous disais, si vous recevez ce message, c'est entièrement normal, c'est pas la peine de vous inquiéter. De vous dire, mais qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui me spam? Voilà, je cherche pas... C'est pas méchant, enfin c'est pas méchant dans le sens où... c'est pas pour vous faire chier que je fais ça, mais c'est surtout pour essayer de récupérer
une partie de ma chaîne YouTube, puisque, hop, oh, troisième Osprey, ben voilà, ça fait déjà un triple Osprey, peut-être un quad Osprey, on ne sait jamais. On en a déjà 3 sur 4, donc voilà, c'est parti à ce moment-là que Matos avait dit « Manager, il est chaud le Dotek, il est chaud là hein. !» Parce que bon, 3 Osprey dans la même partie, il faut comprendre que le score en prend aussi un fameux coup, hein. Je pense que ça, vous êtes d'accord avec moi, le score là, il mange, enfin, il mange. J'ai encore de la merde, décidément, mais quel humour à la con. Le score, il mange fameusement. Ah, je fais... Ouh, le score, il mange... Non, mais pas... Voilà, bon. Voilà, Osprey fail. C'est pas grave, maintenant on va attaquer pour le quatrième, il me reste 10 minutes de partie. Je sais pas pourquoi 10 minutes alors qu'il reste 29 de jeu. Bref. Voilà. Ah, il reste 9 minutes. J'ai le temps de faire... Enfin, ou d'essayer de le faire plutôt. Oh, un furtif, et ben vous savez quoi? Je vais me le prendre en plein dans la gueule. Parce que je pensais que c'était un furtif allié. Voilà. Et regardez, c'est qui, le seul mec qui tue? C'est moi. Est-ce que c'était... Are you fucking kidding me? Vous connaissez cette photo sur Facebook ou quoi? Quand il y a dans le troll face. Hein, are you fucking kidding me? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Hop. Toi, tu es mort. Donc, on va revenir vite fait sur ce message. Donc, si tout le monde reçoit ce message, ce n'est pas pour vous spammer quoi. C'est juste pour récupérer des abonnés. Qu'est-ce qu'il y avait dans son petit collier celui-là? Je sais plus. Wouhou! Ah bah non, attends, je suis mort malheureusement. Et quand je me suis rendu compte qu'il a pris son colis, je me suis dit merde. Ah bah non. Alors qu'il a essayé de prendre son colis, qu'est-ce que c'était? Bah d'accord, c'est un colis qui a disparu. Bref. Bon, écoutez, qu'est-ce que je peux attaquer maintenant? Ah oui, j'ai une dernière chose. J'ai regardé la vidéo de TheCarry78 Enfin, il y a un quart d'heure maintenant. Enfin non, 11 minutes et quelque chose, donc avant de commenter cette vidéo. Et je vais vous dire un truc, je partage entièrement son avis. Je vous explique un petit peu, bon, c'est quoi son avis? À propos de Modern Warfare 3, vous savez, au tout début du jeu, vraiment tout début. Ah, le jeu, il était excellent, on se faisait tuer par une MP7, on est mort. Et puis, il y a eu, vous savez, je joue pas avec le MP7, c'est cheaté, patati patata. Et à chaque fois, on a fait d'arme en arme, c'est cheaté. Et ça donne comme résultat que la communauté française, c'est fameusement pourri, d'ailleurs, j'en suis témoin, enfin, tout le monde en est témoin, tout le monde en est, pas grand monde en est conscient, mais je vais partager son avis. Donc, pour tous les gens qui auront Black Ops 2, un conseil, si on vous dit, ne joue pas, va dire, à la CR, c'est cheaté, le mec qui te dit ça, tu l'envoies chier, tu lui dis, va te faire mettre, je joue avec l'arme que je veux, voilà. Parce que si tout le monde joue avec l'arme qu'on voulait, sans se faire de remarques, je pense que là, déjà, il y a les conneries de dire que l'arme est cheatée aurait été un peu limitée, oui, puisque au début, c'était, qu'est-ce qui était cheaté? Il y a eu la Type 95, puis c'était ça, puis une arme, d'arme en arme. Chaque fois qu'une arme était populaire, la serre, voilà, la serre est une arme, on va dire, parfaite, que je peux comprendre. Ah, c'est que l'arme, elle est parfaite, elle est magnifique. Et voilà, on en fait direct, on en fait tout un plat. Ah, c'est cheaté, la serre. Bon, je sais pas ce que faisait ce Pecno avec son Reaper, mais il me visait. Je sais pas s'il était bien dans sa tête. Bref, je pense que c'est un de mes potes en plus. Ah bah, on va le voir tout de suite, attendons. Est-ce qu'il fait un kill? C'était... Ah bah tiens, c'est Champion de Nantes qui vient de se faire tuer. Encore une fois, Vincent, décidément, je pense que tu as bien mangé dans cette partie. J'espère que ça te dissuadera de rejoindre les parties en cours. Surtout quand on joue en team, enfin en team en groupe, du moins. Bon, voilà, fini Reaper. Il me reste 4 kills à faire pour mon 4ème Osprey. Là, le stress va monter. Voyez, ma petite instant de camp... On fait quoi? Je te tue même pas et je meurs. Et là, je pète un câble sur ma manette, je me défoule, je gueule dans ma chambre. Je me dis, ah, pourquoi? J'ai mis la salve de balle et en fait, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est que dans la killcam en live, le mec, bah, je tirais à peine dessus et dans le studio, bah, je me tirais dessus en fait. En gros, lag de compensation. Vous savez, j'ai adoré, moi, la phrase Activision. Je pense que c'était à la présentation de Modern Warfare 3 l'année passée, hein, quand il y a le mec qui dit « No commando, pas de commando », vous avez tout le monde qui gueule « Ouais !» Et quand il dit « No last hand, hein, pas barreau d'honneur », tout le monde qui gueule à mort, hein, le mec qui se bouchait même les oreilles, après il dit même « Fuck you last hand hein. », enfin vous avez compris la traduction. Alors moi j'ai adoré, c'est
Fait que Lasten, non, ne vous inquiétez pas, cher joueur. Nous l'avons juste remplacé par quelque chose de 10 fois plus puissant. Nous avons incorporé 3 kilos de C4 à chaque mort. Dès que vous exploserez, vous ravagerez la carte dans un rayon de 40 mètres carrés. Merci de votre attention. Je sais pas pourquoi je me suis inventé cette phrase, c'est un petit peu ce truc là, j'avais fait rire même mes potes sur Skype, on s'était pris un délire avec ça. L'autre jour, voilà, j'ai renchipré cette voix de psychop, enfin, psychopathe, façon de parler. Ah, c'est comme ici, toi, tu campes là-bas, ben regarde, je vais te tuer, pour débloquer mon missile Predator. Trollolol. Non, sérieusement, écoutez, j'espère que le gameplay vous plaît, là, je suis encore de la merde avec mon Predator, décidément. Je suis une merde au Predator, ça, c'est quelque chose d'incroyable, ce n'est pas pour moi les missiles Predator. C'est des missiles Kinder, hein, des gros missiles Kinder. Oups, non, pas de pépin dans tes mains pour moi, je la veux pas. Bon là par contre je sais pas, je fais une petite sieste, je mange de l'herbe, oui je mangeais de l'herbe, je faisais la vache, je faisais le ruminant, toi espèce de campeur je te chope et toi mon coco tu vas voir, je vais te choper aussi, tu ne m'auras pas comme ça, voilà. Bah écoutez j'ai un petit peu commenté le gameplay pour la fin de la vidéo, il reste 4 minutes 43, j'espère parler jusqu'au bout, en tout cas je pensais pas tenir aussi longtemps, je m'attendais à parler 2 minutes et puis mettre une musique, mais finalement il s'avère que le commentaire, enfin l'inspiration m'est venue d'elle-même. Avec de la chance, je ne sais pas, peut-être. Bon, je suis un kill de mon Reaper, faut que je fasse gaffe à mes fesses, hein, c'est le cas de le dire. J'ai 3 mecs en bas à droite, mais je suis trop con pour les viser, je sais pas pourquoi. Je n'y ai pas pensé en live, et quand je garde ça maintenant, bah, je me dis, quel boulet. Et voilà, j'ai mon Reaper pour ma tentative 4ème Osprey. C'est le moment ou jamais de se prendre son propre missile de Reaper dans la gueule. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Même pas. Non, c'était pas maintenant. Bon, bah, voilà. J'ai pas fait un sous-kick, mon Reaper. Je suis une merde. Intégrale. Même pas. Et voilà. Bon, il me reste 3 minutes de gameplay. Il me reste 1, 2, 3, je veux dire 7 kills ou 6 kills, je sais pas. Pour mon Reaper, c'est le moment ou jamais de faire 6 kills. Attention, mes amis, c'est parti. Et de... Attention, non, pas maintenant. Et de 1... Oh là là, ça devient chaud, attention, ça devient chaud. Le fail va encore arriver. Oh, mon film est téléchargé, tiens. Et de 0. Et boum, fail. Voilà, fini. Ma grosse gourmandise de kill m'a encore pénalisé, voilà. Donc il me reste maintenant 3 minutes de gameplay pour faire 18 kills, enfin 17 avec détermination. Ce qui est pratiquement impossible vu le niveau, enfin pas le niveau des mecs en face, mais... Le spawn, quoi que vous allez me dire, là en ce moment tu déroules plutôt pas mal, oui d'ailleurs je joue avec la CR et attention, n'allez pas me dire dans les commentaires que c'est une arme cheatée parce que je vous jure que là je vais vous manger tout cru comme le grand méchant loup a mangé le petit chaperon rouge. Et voilà, encore de l'humour à la con mais c'est pas grave, ça met de la bonne humeur dans le commentaire, c'est un peu de conneries, ça fait toujours du bien. Hein, on n'en mourra pas, d'ailleurs moi je me suis mangé un fou rire de 40 secondes, j'ai vu une photo d'un mec qui pétait sur son patron, enfin vous savez les trucs trolls. Le mec il pétait sur son patron, enfin d'abord, si vous voulez, le mec, il est dans son bureau, il doit péter, il casse ses personnes, 3, 2, 1, il pète, il vous fait un truc de la... il vous fait un gaz moutarde, et je sais pas pourquoi, ses patrons qui arrivent, qui raniflent, et le mec il met son briquet à son cuir, pète, il s'envole. C'est totalement débile et enfantin, mais je me suis pris une putain de barre là-dessus, c'était juste énorme. Comme quoi, l'humour, bah voilà, toi l'automatique, tu m'auras pas, tu vas voir. Fail, voilà, vous voyez, là, ça c'était le plus gros fail, ultime. Je me suis explosé de rire quand j'ai vu ça, je me suis dit ça y est, j'ai encore passé pour un gros débile. Dans la plupart de mes vidéos, en commentant différé, ça m'arrive. À cause de ma rapid fire qui s'éteint après 10 minutes d'inutilisation. C'est un super fail, un super troll, vous l'appelez ça comme vous voulez. Bah il y a encore ici, je me fais troller par le mec qui est allongé et je l'ai même pas vu. Enfin si, je l'ai vu juste à la fin. Bref, il nous reste une petite minute 40 de gameplay, j'espère qu'on a dépassé les 100 kills, en fait, je sais même pas. Je serais même pas à vous dire si on a dépassé les 100 kills, j'espère. Boum le javelin. Eh ben non tu m'auras pas, espèce de noob. Par contre bonjour le furtif, je t'accueille à bras ouverts. Comme d'habitude. Bon alors ici vous allez dire mais qu'est-ce que tu fais à tirer comme ça comme un imbécile. Bah vous savez très bien je connais un petit peu les spawns dans ce jeu. J'avais l'habitude de ce genre de fail. Bon voilà ici je vais faire le ménage sur le QG. Personne ne me résistera, vous allez voir. Toi là-bas qui est au loin, attention. Bah il est où le mec? Je pensais qu'il y avait un mec qui était au loin là-bas devant moi. Je sais même pas de ce qui va arriver. Ah bah oui, il va arriver de là, vous allez voir. Moi je vais faire le gros débile. Regardez bien, je m'allonge, vous avez tous les ennemis qui respawnent autour de moi. Enfin j'en ai un devant moi plutôt.
Et comme un gros débile, au lieu de me retourner de le tuer, je me relève et je me casse. Logique. Ça, c'était ma super logique, donc voilà. Il me reste 40 secondes de gameplay, donc je vais vous faire un petit peu les adieux vite fait, mais bien fait. Donc j'espère que ma façon de commenter, enfin surtout ce commentaire assez long de 20 minutes maintenant, vous a plu. Si c'est le cas, témoignez-le-moi par un j'aime. Moi, je voudrais récupérer des abonnés actifs, ça me ferait tellement plaisir d'avoir, vous savez, genre 200, enfin 200, pas forcément, mais même 50 j'aime sur une vidéo serait juste quelque chose d'encourageant. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime et faites-le vraiment si ça vous a plu, à mettre un commentaire, commentez mais toute la vidéo, enfin mettez des commentaires sur ce que je vais te poser comme question, répondez votre avis de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes autres vidéos, de mettre la vidéo en favori. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, allez salut tout le monde, ciao.